Peuple haïtien, jodi an c'est lundi 15 avril 2024. C'est avec un pile courage. Mwen pote émission ça pour nous après-midi. Premier partie émission, nous vinn parler de situation haïtien qui travaille dans construction, qui travaille dans champ, qui fait tout job sale en Dominicanie pour Dominicain. Sou bagay kem vive en Dominicanie, là maintenant, nous sommes en 2021, en 2020, période électorale. Et dans un petit temps que m'te fait en Dominicanie, m'te gade, qui sa k'ta passé. Et l'homme vin stabilise m, pendant bout de temps en Dominicanie, mou prétend pour m'comprenne, politique en Dominicanie. Et puis nous, effectivement, pratique politique qui est là dans la période électorale, ça, parce que pas oublier, 19 mai qu'après le vini là, c'est l'élection dans le pays, ça. C'est l'élection présidentielle. Capital politique leader, yo, ou bien candidat, li repose sous immigrants haïtiens. Dans ce sens, nous pourrons parler ensemble avec haïtiens qui, l'autre bon frontière, là. Ça qui n'est pas une nouvelle, nous pourrons parler d'informations. Mais entre-temps, demache pas maintenant. Moi-même, comme jeune garçon, m'a fait. Si m'ka sauvé 150 à 200 haïtiens, m'a fait tout effort que m'ka capable, moi-même, personnellement, pour me faire. Parce que dans la période que nous t'ai lancé opération KPK, Canal La Pape Campéen, nous t'ai cherché l'argent tout côté pour t'aider aider haïtiens à rentrer en Haïti. Nous t'aider en pile moun. Jodi bagay la vin pi grave. M'ap invité jeune garçon, jeune femme sa yo. Moi ou kap travay nan zone Fiusa. Nan zone Babalo Punta Cana, kap travay nan construction. Kap travay plusieurs quartiers nan Santiago. Bon opération pour humilier, maltraiter tout haïtien, li commencé nan Santiago de Los Caballeros. Parce que pa blie, magistrat Santiago qui c'est Abel Martinez, monsieur son raciste tête chargé. Monsieur pas vle ou haïtien, li dit publiquement. OK, monsieur lance une opération avec peuple li marché la caille. Haïtien nous des zones balio en Dominicanie pour frapper porte yo, racher porte yo, maltraiter yo, racher yo. Ça qui ça capeté cou faire opéter cou brel la caille. C'est opération ça qui lancé dans Santiago de Los Caballeros et la pral lancer sur tout territoire dominicain. Ça veut dire qui ça? Y a touyé haïtien en pile. Avant y a violenti adolescente 14 l'année en Dominicanie. C'est agent immigration dominicain qui viole. Est-ce que gagne défense? Pas gagne défense. Est-ce que nos autorités qui parlent pour nous? Pas gagne. Sauf que nous gagne qui l'a pour faire l'agent sous passeport. Vol comme moun l'autre bois. En yon encore. Mettez-vous là comme consul, prends plaisir. Va l'état faire dans tout club de Santiago. Prends plaisir. Domine dans hôtel de luxe, domine dans Airbnb, prends plaisir. Mais nous-mêmes, comme citoyens qui gagne micro, nous disons pas dans la jouel. Je vais regarder pour moi. Moi-même avec Foucault pour me garder. Dans quel niveau nous capables de mettre minimum yon deux bus, yon Santiago, yon capital, qui peut au moins faire des voyages, parce que nous n'avons pas assez de l'argent nous-mêmes. Nous avons des signes capables pour sauver la vie, on 100 ou 200 grenades haïtiens. Et ça, je vais essayer pour me faire. Ok? Je vais regarder dans quel niveau même qu'arriver, parce que pas de moyens. Trop, demande trop. Situation trop compliquée pour nous. Et c'est sacrifié, nous sacrifié nous-mêmes pour nous sauver la vie. Parce que des goûts pas important pour nous, c'est la vie haïtienne qui est importante pour nous. Entre temps, je profite de dire avec tout haïtien qui a vivre la caille voisin, frère, nous-mêmes qui vivons en Dominicanie. Moi, je connais la Dominicanie très bien. Je vis en Dominicanie. Je connais toute zone côté maltraité nous. Peut-être balio yo ghetto yo. On ka pa konn la dan yo. Parce que pa la pigeon mal la dan yo. C'est la gen volé ça criminel yo. Mais capital San Domingo Santiago, Higüey, Babalo Punta Cana, moi konn tout côté ça très très bien. Moi konn nan ki niveau ya pimili haïtien. Et m'te vive élection 2020 Dominicani. Élection qui a couché Luis Abinadel là. C'était étonnant à l'époque. Parce que tout le monde te pensait que c'est tap Gonzalo Castillo qui t'a remporté élection. Mais tout Dominique était étonné. Alors Dominique qui t'a suivi
actualité à qui pas vraiment dans politique mais qui connaît que comme citoyen il doit aller voter. Il doit retourner les résultats de l'élection bay Abinadel monter comme président. Mais c'est un discours raciste à la dernière minute. C'était un discours raciste à la dernière minute. M'a parlé comme ça c'est parce que il y a des gens qui connent parler pour nous, moi qui pas parler encore. Nous perdons du monde ça yo. Une voix qui est extrêmement importante ces amis. Docteur Claude Joseph. Monsieur ces amis. Là maintenant nous pas parler parce que nous fâchés. Et nous pas qu'à parler. Parce que position Claude Joseph pas position PAM et c'est pas position peuple là. Nous pas qu'à parler. Mais m'a salué maman monsieur qui c'est famille amis plateforme ça. Des gens qui supportent des plateformes ça. Qui campent des plateformes là. Je salue maman Docteur Claude Joseph. Mais n'abdou Docteur Claude Joseph, dans moment ça, vrai ou tapé important pour nous en pile. Là, à nous mettre intérêt politique de côté, mouvement politique avec la fait l'argent de côté, à nous faire l'avec cœur, à nous faire pour Haïtien, pour Haïti. Parce que nous avons frein qui a mouru en Dominicani. Il a mouru pour tout bon. Il a tout pour tout bon. Et m'a dit avec Haïtien, il faut que nous manifestions volonté pour nous sauver la vie de tout. Il a violé nous l'autre bois, nous pas faire rien. Nous avons une défense. La police a battu nous. Les militaires ont battu nous. Les agents d'immigration volent ont battu nous. Ils ont maltraité nous. Mais nous tous, nous collons boudin nous l'autre bois. Nous ne pouvons pas déplacer. Nous foutons 100 routes en pile. Et c'est dans 100 routes qui cause à foutre nous l'autre bois. Nous n'avons pas ces misères de construction, nous ne pouvons pas payer nous. Mais nous devons être la fête sur le Dominicain. Au lieu de nous foutre la caille nous. Nous planter la dans le pays nous. Nous ne pouvons pas faire. Nous prenons une milliard sur la caille nous. Ils tué nous. Y a tué petite nous. Nous va jamais décider pour nous pour tourner la caille nous. Pour organiser nous pour nous arranger la caille nous. Mais nous plutôt à mourir l'autre bord. N'a plein. Nous sans autant pile, nous vivons ça Dominicani. Moi Dominique cap humilié ici son chantier. Yo battu yo cassé tête yo voyo aller. Demain si tu veux groupe qui connaît ça, yo fout vinn travail pour Dominicain. Ban coco à côté nous. Et c'est dans fout vicieux nous ça. Qui cause nous foutre nous dans état nous l'autre bord. On salope sale côté nous. C'est très bien, mon cocoat, ça nous gagne même avec. Nous sentons même ta politique haïtienne. Je pense que l'étape importante pour Dr. Claude Joseph, ta fond intervention. Elle est plus qu'important. Parce que le crime qu'a fait, il n'a pas arrêté impuni. Puis, gros crime que moi-même, moi parler de Lyon Pile en Dominicani. C'était assassinat 5 petits bébés, 5 ou 7 petits bébés petits haïtiens en Dominicani. Mais image là, me démontrer et m'a préparé encore. Si vous en fait dans l'hôpital qui est sous d'un Bosch hôpital, mais n'a pas regardé sur écran. De petits les anges. Yo touye ni parent ti moun yo touye ni ti moun yo. Sa fait nou vin confirmer nouvelle là. C'est au média dominicain. Aïe aïe aïe, monsieur, chaque temps m'a dit bagay là. Monsieur tout temps dans m'a brachim. En vérité bon Dieu. Chaque temps m'a dit monsieur tout temps dans m'a brachim. Zone ça zone connaît bien. La Dominicani. On connaît très très bien l'hôpital en face maquette là. Et bien, il y a 5 mamans haïtiennes qui ont accouché dans l'hôpital ça. Drôle de coïncidence. Femme, yon pas jamais tendé yon. Si moun yon yon assassiné dans l'hôpital dans San Isidro. Alors, dans yon cimetière. Devant yon cimetière dans zone San Isidro. Mais image à tout écran, m'te mette li. Ben font tirouler là encore parce que ça en vérité bon Dieu moi-même il était froissé en vérité béni sont haïtiens te fait al filmer l'hôpital là pour nous si casé n'a regarder en même temps c'est petit bébé dit les anges m'te mette vidéo ça en pile haïtien te réagi en pile monde te crier moi-même tout de l'autre sous dans yeux famille haïtien ça yo c'est des monde qui vivent dans balio qui viennent accoucher petit vient accoucher dans l'hôpital ça yo. Et bien, maman est mourue.
yo pa tande maman yo di tout, ti moun yo yo mouri. C'est comme ça. Comment yo jwenn ti moun yo mouri? Yo jwenn impact balle 9 mm sou ti moun yo. Comment nous faisons une confirmation nouvelle ça? Information ça. C'est dans une rencontre avec la presse. Président dominicain, Luis Abinadel, t'a participé. Il y a un journaliste qui pose Abinadel question. Dit-il, président, est-ce qu'on peut avoir une explication sous ce petit bébé, petit haïtien, qui ont joué qui assassiné devant cimetière San Isidro. Abinadel tellement saisi, monsieur dit, li tan des nouvelles là, mais li apprend que il y a des petits dominicains là dans le tout. Mentor. Pour montrer qu'il y a un criminel en pile. Mais quelque part, c'est nous peut-être nous ba Abinadel. Ah oui, c'est juste l'aime privé qui fait nous peut-être nous ba Abinadel. Li même il pas tout petit non. Petit Jocelyne Privelan l'a fait petit dans l'hôpital, oui, il n'y a pas de problème. Petit Jean-Marc Bel Rivelan, il n'y a pas de problème en Dominicani. Petit Jean Risséan, l'a poulé dans le luxe en Dominicani. Ok? Petit ancien ministre de travaux publics, comme il est Jacques Cousseau, il a poulé dans le luxe en Dominicani. Il a vécu bien en Dominicani. Est-ce qu'il y a un problème? Du tout, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui est un problème? Nous-mêmes, attaquer Haïtien. Ça pour nous faire contre ça. Seul ça n'a fait contre ça, c'est suspendre pour te bourrer en Dominicani. Qui ça qu'a fait nous pas pour te bourrer en Dominicani? On choisit pour nous faire, soit nous mourir la caille nous, ou bien pour nous vivre la caille nous. Ou pas dire, Beto, comment? M'a dit oui. Nèg avec Zamio, ti volo sa ou kipou, si yo diap baye paye yon chance, que yo baye paye yon chance pour tout bon. Parce que c'est nous, kap kidnappé moun la ou qui cause peuple, ap courir en Dominicani. Si l'on dégage, c'était politicien, c'était physiavel. Peuple n'a pas de problème dans la rue. T'es toujours qui crime en Haïti. T'es toujours qui kidnapping Haïti. Mais kidnapping pas de sous moi. Il pas de sous malheur, malheureux. C'était oligarque, yo, gopal, te kon fait kidnapping yo. Mais kidnapping, pas de vater. Mais l'on dégage, ça pas de faire kidnapping. L'a kidnapping, mouna, ça pas de pareil. C'est ça qui cause pays en vin pourri. Et puis, jeunesse l'an, al humilié tête li en Dominicani. Al tué tête en Dominicani. Tout le monde capable de garder yo. Ap gade, on sait de autorité criminelle dans le pays d'Haïti. C'est même nèg sa ou décide pour renouveler tête yo. Nan figi moun la, m'a pande ou même kap vive nan zone Babalo, Punta Cana, Floussa, et Belong. Tout zone ghetto ki nan Punta Cana yo. Ou même kap vive Gwey. Si ou ka sécurise tête ou yon kote, pour yon pas jouer nous, sécuriser tout. Mais seul conseil pas pour, c'est un créer un moyen pour nous quitter la Dominicanie pour le moment. Si vous tournez après élection, tournez après élection. Seul conseil pas pour nous. Parce que tout ce qui a commencé, il est toujours campé après élection. Jour électoral là même, il est campé. Parce que c'est juste ça quand elle a fini. Si vous attendez là, ou remettez tout, remettez famille ou. M'a demandé où soit cherche une zone où senti ou pas en sécurité en Dominicani ou bien ou sauver la vie ou qui s'est rentré dans pays ou. C'est ça seulement m'pense me capable dire nous. Rend tête nous service là. Rend famille nous service là. Peut-être n'a pas sauver la vie non. Et c'est ça seulement m'ka dire nous. Image si bébé soit regarder sur écran. C'est le policier dominicain qui a tout yo. Il était parlé dans toute la presse dominicaine. Ministère de la Santé publique dominicaine a un dossier dans mail. Si vous êtes obligé de prendre ce cadavre, vous disparaître. Même je disparaître maman. Yo. Parce que le dossier, si que était arrivé dans les Nations Unies, il a fait trop parler en pile, par la table du pour la Dominicanie. Et nous avons pile tolé ensemble avec elle pour nous être capable de faire arriver devant le Haut Commissariat des droits de l'homme, des droits de l'homme dans les Nations Unies. Nous faisons pile effort. Nous parlons avec un pile haïtien à l'époque. Nous gommons en pile. Nous te voyons qui qualité de bataille qui t'a fait là. Mais malheureusement, nous pas vraiment jeune support. Nous aide nous pour tes paroles là. Qui fait que le pas arrivé exactement côté pour le dériver.
Abinadel avec équipe li, yo qui tapé ramasse raciste là, et ben policier dominicain qui raciste, yo tout yaï Saint Jean Rouvlé, Léo Pipito. Mais vidéo ti bébé yo qui négoté tout en dominicain. Soit ici qui coûte conscience pas tout la bas. Sinon mettre tout mettre tout mouri en dominicain, pas un problème. Pas fermer ben pour pas mal dans. Ça on. Je vais tirer l'image sur l'écran parce que nous ne sommes pas capables de quitter l'empile. Et si je me dis là, je ne vais pas regarder qui ça que nous sommes capables de faire avec l'équipe nous pour nous garder si nous sommes capables de mettre en deux bus sur route là. Qui sommes capables de mettre une tape mettre haïtien Elias Pinia, une tape mettre haïtien Dabon. D'accord? Nous avons pour Gassine d'affrété deux bus pour nous faire exercice ça. Si on a ici t'arrêter sauver la vie ou toujours, nous allons regarder comment nous avons sauvé la vie. 100 à 200 moun. Nous allons regarder qui si nous a fait ça. Parce que la situation est compliquée pour nous. Nous pas vraiment de moyens. Nous allons aller les 2-3 amis nous. Et nous, monsieur qui est capable de supporter nous. N'a pas de support pour être capable d'aider nous sauver quelques vies. Et là, compliqué. Entre temps, passé, alors, au même capteur de la qui est famille dominicani, voyez l'un qui mission ça pour vous. Peut-être, il va attendre lui. Et puis, il t'a pris disposition, il t'a fait un choix. Si vous faites un caillou, vous faites quitter la dominicani, après 15. Après un mois, parce que pas oublier l'élection, c'est à 19 mai. Et je dis à nous 15 avril. Après avril, c'est mai. Et 19 mai, c'est l'élection. Ça veut dire que de vous tourner en Dominicani après l'élection, ou pas de problème. Ça veut dire que Julie, comme on connaît que nous attachés avec l'autre Boa, c'est celle qui a dit nous, qui peut être capable de faire nous décoller les agos nous l'autre Boa. Mais après nous, comme ça, c'est vérité. Et après l'élection, tout le bagage est fini. Pas de problème. Et nous capables d'organiser nous. D'accord? Nous capables d'organiser nous pour que nous aider et nous sauver la vie nous. Parce que pour une volonté pour sauver tête toi c'est ou même. Même qu'a fait des contacts, moi qu'a organiser moi avec petit moyen que me gagne qui pas en pile pour m'organiser mettre un bus, faut qu'on mette une tout et puis pour nous d'avoir sauver la vie quelque monde. Mais si ou même ou gagne volonté, ou prend bus là. Et je n'a mettre bus là tout faut rassurer nous que n'a jeune monde qui vient monter là-dedans. Nous avons pour mettre un numéro de téléphone disponible et depuis n'a fait pour que moun yo rele pour rassurer que yo paré n'a dit mais combien moun que bis la prend l'a pas fait de voyage ou bien un voyage pendant journée hein? Si c'est deux jours n'a mettre l'a mettre deux jours pour nous t'avoir organiser pour nous sauver quelques vies et ça seulement capable dire pour le moment sinon tout coucou clair pour vous parce que me parler nous en pile me dit nous prend disposition organiser nous moi comprendre que Haïti pas bon du tout pas bon du tout. Même t'as constaté. L'MDOE, c'est estimé, c'est juste. Non, on a met. Qui te quitté. Alors, qui te jeune haïtien. Qui t'a aidé le crasé barrière, on a met là. Pour ouvrir frontière. Pour la Dominicanie, continuer à venir fatra. Non, on a met. M'DOE, c'est peuple, on a met là. Qui te campé. Qui a crasé barrière. Pour continuer à lâcher fatra Dominicanie. Et jusqu'à maintenant, y a massé devant barrière. Frontière là. Presque chaque jour. Pour aller chez Fatra en Dominicanie, même si on est emprisonné. Dominique a battu, a humilié nous, mais nous continuons à prendre. Nous sans honte en pile. Et on est bon, les messieurs, c'est vous pour défendre du Valier. Nous avons crasé ma boue dans nous tout avec coup de macaque. Nous avons fait nous quitter sans honte senti. Nous foutons sans honte nous ça même. C'est peuple sans honte qui va nous diriger sans honte. En vérité, mon Dieu. Parce que si nous sommes capables de camper dans Wanamet, nous crasé barrière ça. Après qualité belle bataille que nous menons, nous mettons dans la genou. À la dernière minute, nous, je l'estime, c'est juste. Payez-nous, nous venons craser barrière pour lui. Nous va foutre boule, monsieur Lodboa. Nous, quand nous regardons, monsieur, nous sans honte en pile. Et c'est jeune peuple sans honte, ça y qui fait que vous êtes des dirigeants sans honte, vous êtes sur la Dominicaine a humilié nous. Ariel là avec l'équipe, monsieur. Nous qui campé a humilié nous, puis red. Pendant que nous avons payé en Haïti. Parce que personne qui dit rien.
La presse pat là pour te pour la presse traditionnelle pat là pour te pour aider mener bataille. C'est nous même dans médias en ligne qui te fait combat. Nous supporter, nous chercher l'argent, nous chercher l'argent. N'a demandé la fuite de votre pour de votre diaspora. Pour nous jeunes l'argent pour nous construire canal. Et nous faire nous sensibiliser tout le monde net venir dans canal là. Tout le monde porter l'argent. Le ça, tout le monde a ouvert bouche pour parler. Mais je dis, c'est pas et parti contre goutte pour nous jeunes monde parler dans Wanamet. Woodlin Pierce au hasard. Woodlin Pierce a ses affaires aux Zonglong. Comment il est John Rose? Bouche bien. Belle femme, pas un problème. C'est normal pour propre. Mais pas oublier, le canal a été fait commencer là. Son Woodlin qui était dans poussière avec nous, qui t'a poulé avec nous, parce qu'il nous a bataillé. Mais maintenant, ou pas disponible pour nous. Ou pas disponible pour nous. Ça qui a passé, c'est comme si vous attendez. En tout cas, salut Woodlin. Là, mon pape, je suis suspendu pour vous. Et c'est l'émotion, l'amour, ça. Cap cause, vous pouvez critiquer envers vous-même. Là, moi, vérité à fond parler. Là, mon pape fini pour vous. Mais je dis à l'île, pour nous sortir dans le silence là, pour nous remettre pied à terre encore, pour nous relancer deuxième phase de bataille là. Parce que ça qui a passé Dominicani là, c'est ici l'a passé. Si nous t'avons défendu, parce que c'est le moment pour qu'on pour continuer à faire. L'on parle, attendez. L'homme parle, attendez. Mais si nous tous mettons ensemble, nous parler, monsieur que tout tout attendez. Et nous t'es pas demandé de tourner la caille. T'es qu'en pile qui te tourne la caille. En pile, en pile. Nous t'es pas allé faire des 100, 150 combien mille haïtiens. Qui te quitté la Dominicanie. Le sa tout chantier, mon parce que pour Ndakana, c'est parce que dysfonctionnel. Appartement, contracté gagné pour te remettre kay en 2024, yon avance moi sou yo. Parce que pas de gagné haïtien comme main d'œuvre. Haïtien t'a quitté la Dominicanie. Dominicanie senti la genou, tout média dominicain plein. Entrepreneur dominicain, de mettre de PDG compagnie, qui gagne contre contrat, construction CD, building et villa. Appartement dominicani, il devait appeler dans toute radio. Il demandait au gouvernement dominicain pour te suspendre sous mouvement raciste là, parce que eux-mêmes qui investit toute l'argent ça, ils ont un contrat dans le bureau et mettre en 2024, ils ne peuvent pas remettre. Mais le Sabinel a commencé à faire bakoui. Gouvernement est à genoux. Ou pas, Abinadel a une frontière qui était fermée frontière. Ou pas, lui-même volontairement, lui est obligé de venir ouvrir frontière là, ça qui fait l'ouvrir. C'est parce qu'elle nous mettait à genoux. Côté que nous mettons un produit en Dominicani, nous connaissons pas bon, nous prenons nous boulel. Devant Dieu la Dominicani, tout peuple dominicain tête chargé, comme si yo dit Abinadel, faut qu'on suspende. Même peuple dominicain qui t'a poussé l'Alexia, c'est même peuple qui vient pour face li. Et puis c'est même haïtien, dans Wanamet, qui campe, qui crase le mouvement, qui fait Abinadel venir penser qu'elle est une superstar sur nous. Et puis nous tous campés, nous avons gardé. Woodlin Pierre, m'en vis où ou, m'en vis tendez où. Et Woodlin, ça ne m'a pas perdu. En plus de temps, et mon demandé pour vous parler, bye nos nouvelles, quand vous avez. C'est une pire belle, lui. Je vais poser. Bon, c'est pas serré. Ça fait mon pile plaisir, même avant de commencer à faire un deal. Ça fait un grand plaisir. Le moi, journaliste qui a pris le monde qui a vu un screenshot sur les réseaux sociaux pour moi, qui a dit, le monde qui a demandé pour moi, ça fait un plaisir. Et m'a dit, tout haïtien, frère, soeur, compatriote, moi, merci, parce que nous montrer que nous d'accord avec ça m'a fait. L'homme pas là, nous sentîmes pas là, et nous exigeons faut que moi là, alors moi, mais moi. Bon, absence moi, notre temps, ça, c'est que pendant tout le canal, là, je négligé en pile activité professionnelle, personnelle, mais professionnelle surtout, que je très très en retard sur yo, moi, j'étais obligé de prendre temps, il y a une activité qui part. Et dans le département, comme nous connaissons la profession, nous avons chantier plusieurs côtés, nous sommes absents. Mais nous retourner, bon, je ne vais pas retourner, j'en ai parce que je ne peux pas faire j'en ai avant. Mais nous retourner, moi là pour nous, moi là pour nous parler. Moi là pour partager l'énergie, pour ensemble. J'aime toujours dire là parce que nous ne pouvons pas faire. C'est ensemble pour nous faire, pour ensemble. Nous bataille, nous boumer pour nous remettre le pays, nous camper sous deux pieds. Et c'est dans la sensibilisation, dans le dialogue, dans la conscientisation, dans le travail, vulgarisation, côté qui est bon la caïsse. Parce que moi, c'est dans ça que je suis parti positif. Côté, là, on a 20 côtés qui sont bons, côté haïtien. Là, on a fait mon mieux songer. Qui est-ce nous comme peuple côté nous sortir, côté nous praler. Nous avons toujours joué Woodlin parce que tout autant Haïti là, nous avons toujours campé avec nous pour nous gommer, pour nous mettre des pays, nous camper. Ok, qui sont votés pour nous là, madame Woodlin?
bon, il y a un pile monde qui a écrit ma privé sous question déviation de l'eau que la République dominicaine fait, parce que c'est exactement ça qu'on fait. Ça a été à reprocher nous à tort. Pour lien, c'est lui-même qui a décidé de faire parce que il a dit n'a pas dévié rivière massacre. Et il est clair pour tout le monde que nous pas dévié rivière massacre, c'est action ça. Action arbitraire ça que la République dominicaine posait là. C'est lui qui dévié rivière massacre. Et c'est lui-même qui est allé à l'encontre de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage que nous avons signé avec le 20 février 2029. Salut, avant de tourner sur Woodline, ça va me faire Woodline. Et Woodline qui te fait d'amour là, côté Woodline qui te fait d'amour là, bon Woodline, c'est Woodline ça qui te fait d'amour moi-même. Et, pas oublier, moi-même, je n'ai pas fait pas moi, comprends-moi? C'est même bagaille là. Parce que l'on considère, nous n'avons une rivière qui partage. Quand on prend 11 prises de l'eau pour faire manger la caillou pour porter 20 nous, là nous décidons pour nous prendre yon. Yo dit non, nous pas gagner ça. Yo comprend nous capacité nous l'ordre pour yo dit nous non, camper, si nous pas camper, y a fermé frontière, là on ferme frontière, nous pas ka manger. Et même m'a dit nous mon yo, on fou pour nous, nous d'amour nous, nous fier de nous, qui pas bailler République Dominicaine sans rien pour nous. On est c'est yo ka plein. C'est vrai, ça fait m'pi fier de nous. Nous connaît bagaille pas facile pour nous. Nous connaît grand pile monde qui vivent de frontière là. Nous connaît grand pile monde qui fait business, des monde au jour le jour sous frontière là. Yo vivent de frontière là. En pile nan moun sa machin ki gen marchandise en République Dominicaine. Yo di on yo pou kanal la campé, pi to perd du marchandise yo. Moun sa yo, nou nan kam, nou pa konnen ki sa nou représente pour Haïti. Nous c'est des héros. Ça en pile fois, représentant nous yo pa faire, nous fèl. Ça veut dire travail de mémoire ça que PGN avec tout partenaire yo décide faire. C'est un bagaille que l'État te doit prendre charge parce que l'ayon le gouvernement décide de tuer entre 20 à 30 000 moun juste pour couleur peau, juste parce que yon pas qu'à prononcer péril pour yon tuer yo. C'est des moun qui t'a vivre depuis la nuit des temps dans l'espace. Yon décide de blanchir la sur pour yon tuer moun ça. Et puis pour c'est l'État par nous-mêmes qui a cherché casser feuille, couvrir ça. Si nous te connaissons trois ça, grand pile bagay, nous pas t'apprendre en Dominicain. Grand pile haïtien qui a couru à la République Dominicaine, à le faire bien, à lâcher gros caille, à laisser là, au sentir bien, yon t'a toujours connu. Yon jour, ça a retourné contre eux. Effectivement vrai. Ça a retourné contre eux là. Et, ou a regardé pour eux. Gouvernement dominicain interdit yon haïtien qui a un visa dominicain sous passeport lui, li interdit rentrer la caille. Vous comprenez? Li interdit rentrer la caille. Et puis qui est-ce qui vend nos visa? Yon même qui vend nos visa. Qui est haïtien ça oui? Son paquet haïtien, yon loue caille avec passeport nan men oui. Yon loue caille avec passeport nan men sans visa. Yon loue caille avec passeport nan men avec visa. Pendant que ou habite la caille, yon connaît ou habite nan caille. Yon connaît illégal. Yo loue kay. Ou a fermé local pour faire business. Ou paye, yo touche nan mon. Et puis yo décide vin combattre, yo du illégal. Depuis yo voye ou aller yo piller la kayo. Yo vole tout sa la kayo. On parle Woodline. Ça y Woodline pam nan qui dit fait moi-même nous laisse ou te sous chantier avec nous t'a battre. Parce que nous-mêmes bon côté pas nous. Pendant yo a pas prendre nous vivre ensemble. Yo dit nous sont zilé, faut que nous entendre nous, faut que nous vivre ensemble. Mais au niveau de la République Dominicaine, dans l'éducation même, depuis l'école, ils apprennent. Moi-même, ce monde qui étudie en République Dominicaine, leur fait pour 10-3 pour vous. Si vous êtes haïtien ou dans la salle de classe là, ou pas capable de sortir quitter la salle de classe là. Parce que son histoire est racontée contre l'haïtien, pour montrer haïtien c'est bête. C'est ça qui fait où nous dans le mouvement, nous y est là. Pour nous boumer, pour nous faire une prise de l'eau, pour prendre planter. Bah, manger appétit de la population. C'est parce que, yo vle, yo pas d'accord nous avancer, yo vle kembe nous sous domination. Yo pas vle nous mettre vente nous. Yo vle c'est qui pour responsable nous, pour le yo vle yo ba nous, et puis le yo vle yo kembel. Et alors qui manger comme mes amis? Parce que qu'on y a si un pile moun pas de connel, m'kwa nous commencer connel, un pile nan nous,
pral décider retourner faire la terre pour nous manger. Parce que les manger en vignes en Haïti, y'a pas qu'à entrer se jeter au jeter. Nous avons un laboratoire qui fait médicaments seulement pour Haïtiens. C'est ça qui fait moi-même. Moi, c'est important tout canal ça qu'a construit là. Qui éveille nous. Qui réveille nous pour nous pas prendre ça dans main encore. Pour nous pas quitter en 1937. Vin répéter sous nous encore. Nous connaissons pile ici en République Dominicaine qui a vendu caillou. Parce que vous venez comprendre, ça vous avez pensé à ce pas ça. Vous avez compris combien qu'on est. Histoire dominicaine, côté vous enseignez yo, pour vous parler mais haïtien, pour vous voir haïtien comme des diables, comme des bêtes. Nous-mêmes, nous parlons de pour nous aimer nous. Nous pas supplier dominicain pour aimer nous. Nous exiger dominicain pour yo respecter nous. Nous sommes un peuple souverain qui vit sur nos îles avec eux. Et nous représentons dans l'économie à peu près 3 milliards de dollars. Alors, il y a un peuple qui capote tout l'argent, ça. Comment nous affairer les peuples qui n'ont misère, peuples qui n'ont pauvreté? Si nous quittons, dit ça, c'est parce que nous voulons. L'argent, ça a été créé richesse. La caille nous, pour la population nous manger. Mais le plus souvent, nous choisissons une solution facile pour nous chercher à manger à tout fait et puis nous quitter et empoisonner nous à petit feu. Parce que l'œil a porté manger ben nous pour ça. Ils mettent et ils font aspiration à manger pour insectes. Pas qu'ils sont en train de manger. Ils ont des produits chimiques. Là, ils mettent à manger. Ils ont besoin de 96 heures de temps pour. Toxines qu'il a dans, produits chimiques qu'il a dans éliminé. Alors nous-mêmes, yo fidèle jodi, yo potel ban nous demain. Tout ma bagage ça, tout toxine ça on apprend. Y a pas accumulé dans rien nous. Y a ban nous toutes sortes de maladies. Nous pas connait bonne maladie qu'on a même nous pas dans l'hôpital pour yo même diagnostiquer maladie ça yo. Et puis en pile fois nous dit c'est manger à manger nous. Non, y a manger nous vrai, mais c'est pas ici qu'a manger nous. C'est poison on apprend par rapport à l'argent on a pas acheté poison. Pour nous prendre poison. Nous disons, nous, est-ce qu'on a oublié 1937? Non! Est-ce qu'on a permis 1937 répéter en 2007? Non! Eh bien, Abinader, nous tous connaissons, nous gagnons des traites parmi nous en Haïti. Ou est-ce qu'on a l'an? Mais oui, il y a un pire monde qui prend parce qu'il a fini revendiqué. Il a parlé. Cette traite est en même temps nous. Un pire monde qui vient parler dans ce canal là. C'est conseil. C'est foyer, foyer. Parce qu'il n'y a pas d'accord nous unis. Yo sait si on nous unit, on connaît depuis nous unis, nous avons fait un pile bagaille. Nous t'es unis en 1803, nous t'es baillé l'indépendance en 1804. En 2023, la répété encore, n'a plus uni, nous pas quitter entrer dans mi-temps nous. Parce que Haïti, son peuple libre et souverain, 1937, pas répété en 2023. Abinader met aligné. Tout soldat, tout avion de guerre, nous-mêmes, nous pas qu'on a fait Abinader, nous pas dans conflit, nous juste appuyer, planter nous, yo, qu'à chercher marien, pour yo manger, yo gain terre, nous gain terre fertile, nous gain pas de 12 000 hectares de terre fertile, qui qu'à bail nord-est manger. Cependant, nous quitter, moun yo mette nous, dans une situation, pour nous manger des rejets. Et manger dans mes nous. On nous dit aujourd'hui, nous peut-être nous en charge. On nous dit aujourd'hui, nous grand monde dans la caille nous. Est-ce que nous voulons grand monde dans la caille nous? Oui! Et mais nous pouvons ça déjà. Arrivons au bout pour nous. Nous avançons. Nous sommes quittés la République dominicaine. Nous sommes quittés la République dominicaine. Nous ne pouvons pas quitter oublié que si il y a un peuple barbare, si il y a un peuple criminel, si il y a un peuple raciste, un peuple sanguinaire sous Iléa, c'est eux-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas sans Dominique couler. C'est eux-mêmes qui font sans Haïti couler. Pas jamais quitter oublié ça. Parce que le fait faire ces bagages pour faire nous tourner. Bête là, c'est eux-mêmes qui bon monde. Et ceci, c'est au niveau international. Nous-mêmes, nous pas décider de raconter l'histoire nous. Faut nous qu'on y a décidé. Pour ses propres narratifs, nous, qui racontaient pour nous faire timounio. Même je même, il y a inculqué haine de l'haïtien dans l'école. Nous pas inculqué haine nous-mêmes. Non, mais n'a fait qu'on est qui est voisin. Comment pour nous comporter nous à voisin. Que nous pas de chambre, c'est d'être devant voisin. Jamais. Voilà, Woodline Pierre, femme quand son entaille, femme en dehors, petite paysan. Et c'est Woodline ça, qui c'est Woodline Pamna moi-même. Pas de problème, non? Woodline ça, c'est Woodline Pamna. C'est Woodline ça. Moi-même, je découvre. Et c'est Woodline ça, je sens qu'il était Woodline peuple. OK? Oui, il y a des activités personnelles, c'est normal, oui. Ils sont professionnels, ils ont des chantiers dans tout petit coin.
et li pa ka négliger tout à fait personnel li parce que faut que li vive li gen famille mais pas oublier et pas oublier comportement li fait moins l'amour pour Idline fait que jusqu'à maintenant gosi de ba m'pa ka di pour le moment et pas oublier et m'vive en Dominicanie bataille que m'a fait pour pays surtout dans bataille et de ce canal ça li vinn ba moi en pile monde pour me parler de Haïti à Dominicanie qui parle avec m et dans dernier temps qui vinn ba moi pile information tout m'poko vle di de bagay parce que m'trouvé que li poko nécessaire et li poko nécessaire parce que n'abdil au moment opportun n'abdilé mais c'est Woodline ça nous t'ai besoin après bon titre nous t'a demandé pour Woodline Woodline pas de parler Woodline devine faire sortir ça mais entre temps gain madame Pamela White qui parlait là et t'assemblé là m'getan gain là ben moi si m'getan gain elle t'getan mettre le pétel pour nous madame Pamela White qui parlait sur dossier Guy Philippe OK madame Pamela White et ben moi si m'getan prendre madame dans la plonger ba nous et Woodline faut poser toujours Pamela White OK et allez non madame et c'est ça nous gain madame Pamela White et ancienne ambassadrice et américaine dans la coupe d'Haïti sous Matéli Lamotte et dame ça va dame prend plaisir comme ça non papa oh dame ça papa pas prendre plaisir ou pas plaisir tout papa et papa c'est dans pays non dame ça lui même joli la bracelet ou dit dans pied il a prend plaisir pas même il tout côté comment ça me dit il tout côté il a calé quoi madame monsieur voilà madame Pamela White nous pour le faire par la voix là oui au métronome métropole Haïti Wendell Théodore nek Jacmel nek Santibon nek Fré nek Jacmel nek payam moi nek payam moi le Wendell nek payam moi oui madame Pamela Wendell Théodore radio métropole Haïti et nous pour le coup regarder ensemble avec là pour content de le nom ensemble avec nous pour le là parce que vous faites voir le moi tout oui et pour content de le nom parce qu'il fait interview ça jeudi là sur radio métropole Haïti en courir non en faut courir garder l'instant de l'ensemble avec moi parce que nous connaît ça qui gagne on a tendu l'ensemble et nous toutes nous franchement et tout même oreille si me t'attendre pour nous t'attendre maintenant tout tendu l'ensemble rapide avant que nous tourner sur madame Woodline Pierre Woodline Pierre on tourner sur tout à l'heure entendez ancienne ambassadrice là et qui c'est madame Pamela White Wendell Théodore nous saluer au radio et télémétropole crédit vidéo pour Kebela. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 avril. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau l'ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti, madame Pamela White. Avec notre invité, nous allons tenter de commenter l'actualité. Nous allons aussi revenir sur certaines déclarations qu'elle a fait notamment dans la presse internationale ou encore aux États-Unis d'Amérique. Elle est avec nous et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Madame White, Madame l'ambassadeur, bonjour, bienvenue sur Radio et Télémétropole. Merci, Ampi. Je suis très content d'avoir la possibilité de vous poser des questions. Moi aussi, allez-y. OK. La première question que j'aurais bien aimé vous poser, Madame White, les Américains ne négocient, en fait, affirment ne pas négocier avec des terroristes. Comment vous comprenez le terme, comment pourriez-vous nous expliquer le terme terroriste ? Qui l'est ou qui ne l'est pas ? Oui, merci pour cette question parce que c'est beaucoup des amis en Haïti m'ont dit « Mais pourquoi vous avez dit ça ? C'est pas bon de tout !» Ma téléphone était bling, 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 mille fois. Mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut parler avec, il faut prendre quelques minutes pour parler avec les bad guys. Je n'ai pas dit qu'il doit être en puissance. Je n'ai pas dit qu'il doit contrôler le gouvernement. Je n'ai pas dit qu'on doit être les meilleurs amis.
Seulement que si vous avez quelqu'un qui contrôle 80 personnes de Port-au-Prince, et même plus, je crois, maintenant, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée si quelqu'un, sous la table, si vous voulez, demande à lui, à cette barbecue et peut-être son équipe, seulement demander qu'est-ce que vous voulez. S'il dit, moi, je voudrais être président, OK, c'est fini. La négociation, c'est fini. Il ne va pas être président, évidemment. Mais de l'autre côté, moi, je vois que, je crois que c'est absolument nécessaire d'avoir boots on the ground. C'est-à-dire, il faut une force militaire internationale. Et je crois qu'il doit avoir une bonne idée. Quel est le vrai problème? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pourquoi ils sont là en Haïti? Et personnellement, moi, je crois que les troupes, 1000 troupes de Kenya, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. Je crois qu'il faut une force militaire. Et personnellement, je crois que ça doit être américain. Je sais que tout le monde, tous les diplomates en haut, les grands types de Washington, a dit que c'est non, on ne va pas envoyer les troupes américaines en Haïti encore une fois. Mais pour moi, je ne vois pas une autre solution. Et une autre chose. Je crois que quelqu'un, un journaliste ou quelqu'un, a dit que Madame White, l'ancien ambassadeur, elle est un dumbass et on n'a pas besoin des dumbass en Haïti. S'il vous plaît, madame, dans tous mes respects, je peux être une smart ass, je peux être un bad ass, mais je ne suis pas un dumb ass. Merci. Vous traduisez pour nous cette dernière phrase? Oui, oui. Il y a des gens qui disent que je suis un oiseau de mauvaise augure, que je suis quelqu'un qui n'est pas tout à fait... positif ou bien qui prêche de mauvaises intentions, je ne le suis pas. Mm-hmm. Je dis tout simplement que c'est nécessaire qu'il y ait certaines considérations particulières. Je dis tout haut ce que les gens disent tout bas. Mm-hmm. OK, en tout cas, je n'avais fait allusion à personne en particulier quand j'ai posé la question, quand je vous ai posé la question, madame. Mais vous m'encouragez là à enchaîner avec une autre question. Notamment, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Joe Biden reconnaîtrait un gouvernement issu d'un coup d'État avec Guy Philippe ou Barbecue? Non. Est-ce que je crois que le gouvernement de Biden va... parler avec un gouvernement qui était à la tête de Guy Philippe ou Barbecue? Non, certainement non. Pas de question de ça. Mais aussi, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est sûr et certain. Mais de l'autre côté, cet nouveau conseil de transition, ça, c'est aussi, il y a déjà des problèmes avec ça. J'ai lu ou j'ai parlé avec quelqu'un hier. Question Wendell Deodora. M'a tourné sur lui, m'a quitté nous tendez. M'a quitté nous tendez. Question, m'a compris une question même. Wendell, un peu de respect pour vous. Et bon, m'a quitté l'ambassade sans répondre toujours. Mais naturellement, question, façon de poser question, li mal sonné. La soir qui dit que le chose qui était dans le moniteur était complètement différent que les mots que le nouveau conseil veut d'être dans le moniteur. C'est-à-dire qu'il dit que les 9 ou les 7 membres, 9 peut-être, doivent avoir un certain ils ont demandé des choses qui ne peuvent pas être faites maintenant en Haïti parce qu'il n'y a pas un judiciaire où on peut avoir certaines choses.
les choses, les mots qui étaient, qui maintenant, qui étaient dans le moniteur, c'est presque, ils posent un problème pour que les neuf membres, les nouveaux neuf membres, ne peuvent pas prendre la place en Haïti comme le gouvernement. C'est stopped. Pour le moment, je vois, je ne sais pas ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, je vois que le nouveau processus, qui au moins, c'est quelque chose, c'est un mouvement, maintenant, ça aussi, c'est bloqué. C'est ça que vous pouvez, que vous croyez aussi? Que le processus est bloqué? Oui, je crois. C'est complètement bloqué parce que les mots étaient changés dans le moniteur. C'est pas les mêmes mots qu'il faut pour approuver les neuf membres, nouveaux membres. Et pour le moment, c'est au moins c'est ce que mes contacts, ils sont bons, m'a dit que pour le moment, Henri est toujours le premier ministre et tous les ministres qui étaient sous dans son équipe, ils sont toujours les ministres. Mm-hmm. C'est vrai? Ah, vous me posez la question à savoir si c'est vrai. C'est ça que vous pensez aussi, quand Henri est toujours le premier ministre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est sûr et certain. Et ça pose un grand problème. Un grand, grand problème. Madame White. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement qui fonctionne en Haïti. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, la chose qui est la plus importante, c'est la sécurité. On parle de neuf personnes, c'est OK, on parle de neuf personnes, mais on ne parle pas de sécurité. On ne peut rien faire en Haïti s'il n'y a pas de sécurité. Mm-hmm. Il y a 5 millions de personnes qui sont assez de manger. Il n'y a presque pas de l'eau, il n'y a presque pas de nourriture, il n'y a pas de les choses pour les médecins. C'est une crise humanitaire qui est incroyable à penser. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'intérêt des États-Unis. Et pour le moment, je parle aux gens qui travaillent dans l'équipe de White House, pourquoi il n'y a pas plus d'attention sur la situation sécuritaire? Parce que c'est ça où le peuple haïtien, c'est ça où il souffre. Et pour moi, ça c'est la première chose qu'on doit faire pour le peuple d'Haïti. Je ne parle pas pour le peuple d'Haïti, le peuple d'Haïti peut parler pour eux-mêmes. Moi, je parle aux gens à Washington, et je demande à eux, il faut envoyer l'aide humanitaire. Mm-hmm. Il faut envoyer la nourriture et de l'eau et des choses médicales. Il faut faire ça hier. Pas demain, pas semaine prochaine, pas l'année. Ça fait des années déjà où les peuples haïtiens souffrent trop. Et maintenant, il n'y a pas, pour le moment, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu une solution sur la situation humanitaire. Je ne vois pas. Mm-hmm. Je vois que si cette nouveau conseil de transition, si, et ça c'est pas sûr maintenant, si une fois qu'ils sont là, et ils sont le gouvernement, c'est eux qui peuvent des choses pour la sécurité, pour que la situation améliorée. Mais avec quoi? Le police haïtien, je crois qu'ils try. Mais il y a 5 000 personnes. Les gangs, ils sont 25, 30, 35 personnes, 1000 personnes. Comment 5 000 personnes de police peuvent combattre 30 000 gang members, je ne vois pas comment le faire. Et est-ce que vraiment, est-ce que quelqu'un pense que les 1000 Kenyans vont venir en Haïti et tout se va bien? Je ne crois pas. Mm-hmm. Je crois qu'il faut une autre solution. Madame White, vous venez de dire il y a quelques instants que vous n'avez pas beaucoup d'espoir dans le déploiement de la force multinationale avec à sa tête les Kenyans. Si vous n'avez pas beaucoup d'espoir, c'est que vous pensez qu'il y a d'autres options
les Américains, les Américains doivent être les autres solutions, les autres options. C'est ça que je dis. Je dis ça clair parce que je parle avec beaucoup de mes amis. Quelqu'un qui est en Haïti, il y a beaucoup qui en Washington et l'autre partie. Franchement, presque chacun, jusqu'à aujourd'hui, presque chacun a dit la même chose. 1000 Kenyans ne peuvent pas régler la situation sécurité en Haïti. Je crois que c'est incroyable que personne croit que ça c'est une possibilité. Moi, je ne vois pas comment ça va. Et un autre grand problème, j'ai lu seulement ce matin, très tôt ce matin, que les Uzi et les whatever they are, les grands munitions, ils sont toujours, ils commencent en Miami ou Floride, quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup sur le mer qui vont arriver en Haïti cette semaine même. Pourquoi on ne peut rien faire avec ça? Ça, maintenant, Haïti est le pays où la plupart des guns, les grands, horrible guns, avant c'était les autres pays en Amérique du Sud, mais maintenant c'est Haïti qui reçoit plus de guns de tous les autres pays. Ça, c'est impossible. Et un problème là, j'ai lu ce matin, que c'est la première fois que j'ai lu ça, que c'est à cause de cette administration, la Biden administration, et laisse-moi être clair, moi je suis un démocrate, mais la Biden administration, ils ont coupé beaucoup de l'argent, les fonds, pour le Coast Guard. Et maintenant, il a seulement 2 ou 3 bateaux. Et même eux, c'est difficile d'avoir assez de personnes parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Le budget était complètement, comment dire ça, coupé. Et maintenant, on a beaucoup de difficultés. Il a dit, c'est impossible avec son équipe maintenant, avec l'argent qu'il a, qu'il peut, contrôler les armes qui quittent notre pays. Ça, c'est absolument ridicule qu'on ne peut pas régler cette ammunition. C'est quelque chose de très triste pour dire à tout le monde qu'on ne peut rien faire pour le trafficking. Pendant le temps que j'étais l'ambassadeur, c'est les drogues qui étaient le grand problème entre les deux pays. Maintenant, c'est les armes. Mm-hmm. Et on dit qu'on ne peut rien faire. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on ne peut rien faire pour contrôler et empêcher que les armes arrivent en Haïti de la Floride? Vous pensez qu'on ne peut rien faire vraiment? C'est pas moi qui dis ça. C'est les gens de Coast Guard qui a dit ça ce matin. J'ai lu ça dans un article. Il dit que, c'est triste et c'est horrible et tout, et blablabla, mais ils n'ont pas de l'argent ni les gens qui peuvent le faire. C'est eux-mêmes. OK, Madame White. Madame White. Mais moi-même, mais tout le monde en Haïti peut voir tous les armes qui sont là. Les gangs, ils ont plus des armes que les polices. Oui. Il y a une hypothèse alimentée par certains groupes politiques qui prétend que les États-Unis auraient volontairement créé la crise haïtienne, planifié le chaos et même la destruction afin de venir se présenter en sauveur, occuper le pays et s'accaparer de ses ressources naturelles. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous diriez à ces propos-là? Non, je crois que ça c'est pas du tout vrai. Non. Ça c'est une idée que je n'accepte pas du tout, mais... C'est une chose qui est vraie, que ça fait maintenant presque 3 ans après que Moïse était tué, et juste même après,
il était tué. Tout le monde dit, ah, sera difficile parce que le gouvernement, je ne sais pas qui va contrôler le gouvernement. Et Henri était arrivé 2, 3, 4 mois après ça. Et au commencement, on dit, OK, il sera là pour, je ne sais pas, 10 mois, 12 mois, une année, blah, blah, blah. Mais tout le temps qu'il était à la tête du gouvernement, des choses étaient venues pire et pire et pire. Et tout le monde a regardé ça, même pas les États-Unis, tout le CARICOM, le France, le Canada, tout le monde a regardé que les gangs, peu à peu, à commencement, les gangs ont contrôlé 20 personnes, et 40 personnes, et 60 personnes, non, au moins 80 personnes. Et rien n'était fait. Et c'était une question, je crois, de qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne veut pas mettre encore les troupes en Haïti. On ne veut pas faire une autre occupation jamais. On ne veut pas faire le UN. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a dit. On ne peut pas faire ça. On ne veut pas faire tel et tel et tel et tel. Mais presque rien a dit que, oh, les pauvres anciens, les peuples, ils n'ont pas assez de... Il y a des gangs partout. Ils n'ont pas assez de boire. Mais rien n'était fait. Et maintenant, il y a une crise incroyable. Rien ne fonctionne dans le pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de médecins. Il y a deux seuls hôpitaux qui fonctionnent pour le moment. Et maintenant, on trouve la situation presque impossible à décider qu'est-ce qu'on doit faire, mais pour faire rien, ou presque rien, ça c'est pas un réponse, ça fait pas un réponse. Le chef du UN a dit, il y a, je crois que c'est la semaine passée, que la situation Haïti est le pire du monde, la situation humanitaire, c'est le pire du monde. C'est, du monde, ça c'est, il y a beaucoup de places qui souffrent. Mais quand on voit cette situation et on fait presque rien, ça c'est pas acceptable. Mm-hmm. C'est pas acceptable pour moi. Mais il y a une autre chose aussi que ce matin, pendant le week-end, parce que je savais que je serais ici ce matin, j'ai regardé toutes les nouvelles sur la télévision pendant le vendredi, samedi, dimanche, et même tôt aujourd'hui, rien, même pas un mot sur Haïti. Beaucoup d'Iran, beaucoup de Gaza, beaucoup de Ukraine, mais même pas un mot. Et moi, je me demande pourquoi Haïti n'est pas sur toutes les nouvelles télévisions, ou écrite ou quelque chose, je ne comprends pas du tout. Mais ça c'est une autre chose qui... Vous journalistes, et je suis sûre que vous avez beaucoup de amis aux États-Unis dans le domaine du journalisme, et vous devez parler avec eux. Il faut que Haïti est sur la télévision chaque jour, pour que on peut shake the trees en Washington, pour que Washington commence à faire quelque chose maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Mais je ne vois pas, parce que c'est pas quelque chose qui est dans la nouvelle des États-Unis. Je crois que c'est quelque chose que permettent les politiciens à dire, OK, Haïti, on va faire quelque chose la semaine prochaine. Oh, on va envoyer 1000 soldats ou policiers de Kenya, cette situation, c'est OK. Mais c'est pas OK. C'est pas du tout OK. Madame l'ambassadeur, il y a aujourd'hui un narratif très populaire qui veut faire croire que les pays occidentaux, États-Unis, la France, le Canada, refusent de prendre part directement à des opérations militaires en Haïti à cause des reproches qui leur sont donc adressés pour les échecs connus dans le passé. Est-ce que vous croyez que c'est justifié? Non.
Malheureusement, je ne crois pas que c'est justifié. Et pourquoi est-ce que les États-Unis refusent? Non, je comprends bien qu'il y avait des problèmes. J'étais même là. Mais il y a le choléra, il y a des rape, je ne sais pas le mot en français pour rape, je ne veux pas savoir. Je sais qu'il y a des problèmes avec les soldats dans les voisins. Ils ont fait des choses pas gentilles du tout, mais c'est-à-dire qu'ils prennent des choses sans payer. C'est pas, il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais est-ce que ça, c'était vraiment horrible? J'accepte ça. Mais pour faire absolument rien, comme il y a un très fameux, très 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 bon, intelligent ambassadeur Tom Shannon, qui connaît Haïti très bien, et il a visité pendant le temps que j'étais là souvent, il était expert dans la région, il était numéro 2 au département de l'État pour une certaine période de temps. Et il a dit que it is shameful que les États-Unis ne fassent pas quelque chose de plus pour Haïti. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les troupes américaines. C'est shameful. Et c'est, pour moi, c'est ça que je crois aussi. Si, je ne veux pas que les troupes américaines soient en Haïti pour gérer le pays. Non, ce n'est pas le rôle de tout. Mais au moins, il faut aller pendant une période de 6 mois pour ouvrir les humanitarian corridors. Les corridors, je ne sais pas si c'est le mot français, humanitarian. Alors justement, c'était Madame et Pamela White, ancienne ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Haïti, qui t'a intervenu dans la radio et était métronome. N'a pas qu'étant et réagi sous lui, mais moi j'ai une question. Et alors moi j'ai une question que Wendell Théodore posait, façon qu'il posait question, n'a pas tourné sous lui. Bon Dieu béni, n'a pas tourné tout à l'heure.